des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Attends le bon moment pour tirer la fusée et nous dire d'attaquer. Nos vies sont entre tes mains. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Une grosse machine dégueulasse, sans répit, sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions, la mort ou la survie. Voilà, signal envoyé. Aidez-moi, quelqu'un!
Sortez-moi d'ici! De mes camarades. Ah!
leur montrer ce qu'on vaut. Ces salauds. On doit se débarrasser de ces canons. Ah!
Donnez tout ce que vous avez. On doit l'ouvrir. Écarte-toi. Écarte-toi de la porte. On va utiliser ce canon. On n'était pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté. La volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher. En sang, en sacrifice et en vie humaine. Idrissa! Oh mon Dieu! Idrissa! Réponds-moi! Idrissa! Regarde Idrissa. Nous sommes des rois. Thank you.
Nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. Française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier.